pense qu'elle est habituée, mais je sais plutôt moi. C'est moi qui souffre plus. Elle est habituée. C'est bon, non, la température de l'eau, c'est bien. Hier, l'eau était médium. Et tu vois, c'est froid. Pour moi, c'est glacé. Hier, c'était chaud. Oh, Seigneur. Non, mais là, le réchauffe. Hier, c'était tiède. Ouais, hier, c'est normal, parce que hier, il y avait service. Aujourd'hui, on ne savait pas qu'il y aurait baptême. Alléluia, un bon baptême au nom de Jésus. Donc c'est ça la foi, c'est ça servir Dieu. Traverser les persécutions et l'eau glacée. Traverser les persécutions et l'eau glacée. Ça c'est le travail d'Emmanuel. Il m'a donné tu pour les gens dans l'eau. Ça a des températures. Mais rendons-nous et là tu vas moins froid. Mais pas sur Snapchat, mais sur ton téléphone à moi. Pour voir la vidéo complète. On va te l'envoyer. Il y a beaucoup de vidéos. Tout le monde va te l'envoyer. Même mon baptême était en direct. Okay, le maximum, c'est la comment m'habituer? Parce que ma peine, c'était glacé. C'est comme j'allais mourir, mais maintenant... Ok, Marie, ça va. Je suis de plus en plus. Marie, est-ce que c'est pas sur le téléphone? Pas... C'est déjà descendu? Non, c'est pas passé. Ah, non, pas en bas. Ah, tu prends. Comment on la vidéo? C'est parti. Hier, c'était tiède. C'est en condition, c'est bon. Ah, ça, c'est en direct. Ça, c'est en direct. Voilà, Alicia. Bonjour. Nous allons te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Après ce baptême, tu vas plus seulement t'appeler Alicia, tu vas t'appeler Alicia Jésus. Alléluia. Parce que toutes tes offenses, toutes tes mensonges, toutes tes critiques, toutes tes iniquités vont être couvertes par le sang de Jésus. À ce moment, tu vas te sentir léger de deux façons. À cause du fait que tu vas sortir de l'eau, mais à cause du fait aussi que spirituellement, il n'y a plus rien qui va te condamner, qui va t'empêcher d'aller au ciel. Tu peux réclamer ta porte, ton entrée au ciel. Tu peux arriver devant le ciel et cogner. Tu dis, Seigneur, ouvre. Il dit, pourquoi? Parce que je porte ton nom, parce que je ne porte pas ça. D'accord? C'est une étape cruciale. Pourquoi? Parce que ça te permet d'entrer dans la présence de Christ. Amen. Mais aussi cruciale, pourquoi? Parce qu'après cela, les choses ne sont plus différentes. C'est pour ça que tu as remarqué que maman a beaucoup changé récemment. Maman ne sort plus où elle sortait avant. Maman ne mange plus comme elle mangeait avant. Maman ne regarde plus ce qu'elle regardait avant. Amen. Et tu as vu que Jason aussi a changé, qui s'est baptisé hier. En fait, tu vas comprendre que c'est juste quelque chose de bien qui est venu pour contaminer la famille. Mais d'habitude, quand quelque chose contamine, on pense que c'est une maladie. Mais dans ce cas, ce n'est pas une maladie, c'est une régénération. Amen. Comme elle a dit, c'est une bénédiction. Dans ce cas, c'est une résurrection. Amen. Donc, on va prier, on va faire une prière pour demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon sincèrement pour toutes les fautes que tu as commises. Et tu vas dire, Seigneur, je m'engage envers toi pour ne plus commettre ces péchés. D'accord? Amen. Seigneur Jésus, nous voulons prier pour Alicia. Nous voulons prier pour que tu touches son cœur et que tu la fortifies. Elle lui dit bien change aujourd'hui. Elle est décidée d'être une nouvelle créature. Nous prions pour que tu touches son âme, que tu touches son esprit, qu'elle fasse ta volonté, qu'elle marche dans tes voies. Seigneur Alicia, besoin de toi. Seigneur Alicia, cherche ta place. Seigneur Alicia, te cherche. Elle a besoin que tu la régénères, papa. Une nouvelle créature, une créature dans le sein des saints. Une créature qui cherche ta face, qui cherche ta voix, qui te loue, qui te honore, qui t'élève. Au nom précieux de Jésus, Seigneur. Je pense plus avec elle, papa. Touche-la, touche son cœur, touche sa vie, change sa vie, transforme-la avec force et puissance, avec autorité, au nom précieux, au nom de Dieu, au nom tout puissant de Jésus. Amen. La main droite, tu es maman. Alicia, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Est-ce que tu crois qu'il a donné sa vie pour toi? Sous cette confession, je te baptise. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Lève. Je sais, tu sens comme si les choses bizarres qui vous sont dites, n'est-ce pas? C'est ça, vas-y, dis-le. C'est le palais, vas-y. Laisse aller, laisse aller. Ne résiste pas, laisse aller. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ce que tu ressens, vas-y. C'est ça, laisse aller comme ça. C'est le palais, c'est l'esprit du Seigneur. C'est ça, laisse aller. Laisse aller, esprit, toi. Tu as besoin de dire pardon, Seigneur. Pour tous ces moments où tu attendais la liberté. Aujourd'hui, tu es libre de
Seigneur. Tu es libre d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu continues. C'est l'Esprit du Seigneur que tu ressens. Continue, n'arrête pas. C'est ça. Je t'ai entendu, tu continues. N'arrête pas. Oui, c'est ça. N'arrête pas. Oui, c'est ça. Bienvenue dans le royaume du ciel.